Eh bien, salut tout le monde, c'est MarsBro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir pour une petite arène, donc je sais pas encore avec quoi je vais faire. Donc quelle classe on va avoir. Alors, vous pouvez voir qu'on se retrouve ensemble avec la caméra. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir refaire des vidéos avec une petite caméra. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi ça va super bien. Nickel! On a le mage. Directement, je vais prendre le mage. Allez, on va faire le deck. Je vais faire seulement une game parce que ça va être assez long sinon. Alors, on est parti. Donc, ça, c'est de la merde. Ça, ok, on va prendre la charge. Golem arcanique, c'est cool. Prophète, seigneur. Prophète, c'est un petit peu mieux. On peut avoir de la pioche. Clairement, je vais prendre de la pioche. Le reste, c'était de la merde. L'araignée, très bonne. Alors là, c'est le Yeti. Il est bon, le Yeti. Ouais, un tour 4, ça fait pas de mal. Nickel, le souffle-neige qui est une très bonne carte. Clairement, le tour 3, la chasseuse, nickel. Là, c'est pas trop bon. Le murloc, non. On va prendre la 2. Là, je pense que le golem, il est bien, hein, le golem, ouais. Blizzard, première AOE qui est proposée, qui est assez bonne. Bien pour tempo, et je crois que c'est la meilleure. On va prendre le Blizzard. Allez. Un explomage. Est-ce que j'ai deux... J'ai un méca, deux mécas, trois mécas. Franchement, il peut être rentabilisé, donc je le prends. Alors, Limon peut être pas mal en arène contre les guerriers et même les paladins d'ailleurs. L'araignée, la rampante. Donc rampante hantée, je pense que c'est la meilleure. Les trois étaient bonnes. Hein. Clairement, les trois étaient bonnes. Alors là, clairement, je prendrais l'araignée. On a déjà du heal. Faut pas trop abuser au niveau du heal. Alors là, on nous propose clairement l'alternative du mage mecha. Donc, moi, je suis plus partant pour prendre l'Ennio-tron, même si celui qui réduit de 1 est pas trop mal. Donc, là. Bon, le sergent grossier, pas très intéressant en arène. Mais la combattante est très bonne, mais la torche, clairement, je vais pas cracher dessus la torche. Éclair d'ogive, brut ogre. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de tour 3. Si, j'ai celle-là. Golem. Et un autre golem. Je vais prendre la brute ogre. Un late game qui est assez bon. Je vais prendre le champion, allez. Nova Gif, pas très intéressant. Commando, pardon. C'est pas mal. Donc le commando, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Donc j'aimerais bien avoir un petit tour 1 là vite fait. Alors, c'est pas très intéressant. Le loup, allez. Le loup alpha. Armure animée, votre héros ne peut pas subir. Ok. Elle est bien celle-là, là. Je vais la prendre, tiens. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Pas très intéressant, je pense. Mais bon. Ok. Je pense que la soigneuse, c'est le mieux. Non. Pas besoin, le T5, on va pas prendre de T5 là pour ça. La Brute Ogre, clairement, la meilleure. Un T2, c'est cool. J'en ai pas mal des T2, mais c'est pas mal. Les deux sorts sont pas intéressants. Alors là, Yeti Noroi, clairement, c'est la meilleure. Char araignée, parfait. En plus, avec l'esplomage, ça peut aller bien avec. Une épique proposée, donc géant de lave, pas super cool. Déflagration, donc c'est pas très bon. Alors ça transforme un serviteur allié. Ça peut être décent, mais franchement. Est-ce que j'ai envie de prendre un late game aussi gros? Il peut être rentabilisé? Ouais, allez, je pars pour le Yeti. Le géant de givre. Non, c'est géant de quoi? Géant de lave, oui, voilà, c'est ça. Oh, un jongleur. Un héros défunt. Je sais pas, franchement, les deux sont bien. Il y en a beaucoup qui vont me dire prendre jongleur direct, mais après j'ai pas. Je pense que c'est plus le héros défunt qui est plus. Enfin, qui est mieux pour le mage. J'ai peur de faire une bêtise là-dessus. Je vais prendre le héros défunt. Allez, c'est parti. Alors, souffle de dragon. J'ai pas envie de prendre ça. Je vais prendre un T2. Beaucoup de T2 proposés. Un scarabée, c'est pas mal. Maître de rouage, étant donné qu'il y a pas mal de mécas, ça peut être intéressant. Et j'ai besoin d'un tour 1, donc je vais essayer de tenter ça.
Après, bon, on voit ce qu'on peut faire. Encore une armure animée. Bon. C'est pas mal. Donc, on va partir pour une première game. J'espère que ça vous plaît. Ça va être la deuxième arène dans la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Nous approchons très rapidement, enfin, très rapidement, à mon rythme, je pense, des 100 abonnés. D'ailleurs, je remercie les 90 abonnés en ce moment même. Donc, en espérant qu'ils ne partent pas d'ici tôt. D'ici peu, oui. Bon, voilà, allez, on est parti. J'espère que ça va bien se passer. La première arène n'était pas terrible. J'avais fait 2 victoires, je crois. C'est vraiment nul. Clairement, faut se le dire. Tant que ça dépasse, je pense que 5 victoires, on peut être assez content à partir de 5 victoires. En dessous, c'est vraiment qu'on a peu de chance. Je tombe contre un mage, Fluffy. Donc j'espère que ça va bien se passer. On ne me propose pas, donc c'est moi qui ai la pièce. Donc là, on ne me propose pas vraiment de bonnes cartes. J'ai pas mal de T2, 1 T1. Donc voilà, je pense que c'est. Peut mieux faire. Je vais vous mettre la decklist à votre droite, hein, bien sûr. Donc là, j'ai rien. J'ai rien, clairement, j'ai rien. Ah, on me propose un T2. Est-ce que je pièce? J'ai de fortes chances de recevoir un autre T2. Donc, je peux envisager de faire pièce. Certains me diront que c'est pas vraiment le play à faire. Mais vu le nombre de T2 que j'ai vraiment une grosse probabilité de choper un T2 à ce tour-là. Et au pire des cas, bon, voilà, un petit peu déçu. Donc, clairement, ça me fait pas plaisir. Étant donné que je n'ai même pas pioché de T2. Ok, donc ça va. Le deck n'est pas trop mal, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Si c'est entité miroir, là, ce qu'il nous a mis, c'est un petit peu relou, relou. Donc, est-ce que je vais lui filer une rencontre? Clairement, oui. Ok, c'est pas une entité miroir, donc c'est plutôt cool pour moi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un contre-sort? Donc, un contre-sort, là, ça m'embêterait un peu, vu que j'ai quand même 3 sorts sur moi. Ok, il a la même carte que moi, donc c'est décent pour lui. Je vais faire ça. Faut absolument que je trade ça, moi. Qu'est-ce que. Ok, c'est même pas un effigie ou un dupliqué. Qu'est-ce que c'est? Ça m'arrange, ça. Ça s'appelle comment ce secret là? Vapeau. Vaporisation. Ok, c'est celui qui m'a été proposé tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai encore le nez qui coule. C'est incroyable comment ce rhume dure très très longtemps. Je crois que je l'ai eu au moins 1 semaine et demie. Et encore, c'est pas fini. Cône de froid, clairement, ça l'a mis bien. On se retrouve à égalité, je pense. Chair araignée plus taunt, c'est plutôt une bonne proposition de gameplay. Ok, donc là je remets en position de board, donc c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il peut faire. Bon, il peut faire pas mal de choses. T7, Putain, il est déjà au T7. Ah oui, avec le golem arcanique, c'est vrai. Donc là, il peut avoir une entité miroir. Il peut avoir pas mal de choses. Donc, hop, excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Hop là. Les aléas des vidéos. Ça va rien dire du tout. Alors, qu'est-ce qui est bien là? Qu'est-ce que je peux faire? Une torche? Torche plus ping? Voilà, et je mets un rouage vu que j'ai un mecha. On va se méfier de la vapeau. Cité. Ah merde. Et je trade. Voilà. Parce qu'il a de fortes chances d'avoir un mecha lui aussi. Donc là, je suis pas trop mal. Qu'est-ce qui pourrait m'embêter? Un blizzard? Un blizzard, ouais, ça peut être pas mal pour lui. Moi je l'ai. Donc c'est cool, on n'est pas passé à côté du contre-sort. Un crapaud énorme, ok. Et un éclair de géant. Donc je pense qu'il va mettre fin à son tour. Il va juste faire un petit ping, voilà. Rien de très important. Je n'ai pas de mecha pour l'instant. J'en ai toujours pas. Ok, donc là c'est un peu chiant. Je vais piocher. Étant donné que ça recule pas mon jeu. Chope 2 T4, très intéressant. Étant donné que celui-là n'était pas très bon. Donc Yeti no Roi ou Yeti mécanique. Yeti mécanique peut forcer le trade ici, donc je vais mettre le Yeti mécanique pour faire le trade. Allez, et en plus ça va sur la provoque, c'est parfait.
Donc, il a 25 points de vie, je suis à 29. J'ai un bon board. Pas trop sévère, mais le board est pas trop mal. Ça veut rien dire. Bon, allez, boule de feu. Donc là, c'est plutôt bon pour moi. Il a presque plus de cartes. J'ai mon AOE. Clairement, je suis devant là. Clairement, je suis devant. Yeti Noroha plus golem des moissons. Hop, camouflage. Qu'est-ce que je peux camoufler? Je vais camoufler le Yeti Noroha pour qu'il mette 4 points de dégâts dans la tête. Alors, j'ai 3 cartes, il en a 4. Comment ça se fait qu'il en a 4? Ah oui, il a une pièce, donc il en a 3. Il est à égalité avec moi. Ok, ça c'est bon. Alors, je pense être assez serein au niveau de cette game-là. On va voir. Pour l'instant, il met assez longtemps à jouer. Ta-da-da-da. Ok, c'est chiant. C'est chiant. J'ai de ça. Franchement, c'est très intéressant. J'aurais bien voulu avoir cette carte, par exemple. Donc là, il a eu un sort. Un secret. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va booster les points de vie, points de dégâts. Provoque, ok. Ça change rien du tout pour moi. Je comptais pas face. Ok, je reçois la torche enflammée. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Trade. Ping. Voilà. Pas d'effigie. Parfait. On va faire ça pour voir s'il y a quelque chose. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va peut-être être une entité. Même pas. Ok. Est-ce que je peux commencer à mettre une. Non, clairement, je vais faire ça. Allez. J'ai flou de le board. Il faut. Ah putain, j'aurais. Non, là, clairement, ne faites pas ce que je viens de faire. Il y a de fortes chances qu'il ait une AOE. Donc il l'a pas. J'ai vraiment de la chance parce que là, il me mettait un choc de flamme. J'étais complètement fini. Ok. Donc après ce petit rhume, est-ce que je n'aurais pas un létal? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, pas de létal. Par contre, mon blizzard se met bien. Clairement, il se met bien. Pas de contre-sort? Bon, ok, c'est un contre-sort. C'est relou. Relou, relou. Donc je vais mettre la torche là-dessus. Étant donné qu'il a plus de cartes, c'est plutôt bon pour moi. On est d'accord. Je vais face avec ces deux-là. Hop, même avec celui-là. Voilà. Donc pour l'instant, mon board, il est bon. Je suis même insensible aux dégâts. Donc c'est parfait. Marsoleil, très bonne carte. Marsoleil plus ping, à mon avis, pour celle-là. Voilà, parfait. Donc là, clairement, il se met bien. J'ai encore ça, donc ça ne sert à rien. Je claque. Je pète son bouclier. Je fais quoi? Sur ça, elle meurt pas. Je peux la re-soigner après. Ouais. Clairement, c'est un bon play. Hop, 4 face. Voilà. Est-ce que j'assure? Non. Pas besoin de la mettre. Clairement, j'ai pas besoin de la mettre. Je pense que cette game, elle est gagnée. On peut même dire bien joué. Sans trop s'avancer. Voilà, première game de gagner. Allez, c'est parfait. Ça commence bien. Bien joué à toi. Ok. La game a été vite, hein, je trouve. Vous êtes chaud? On commence assez bien. Donc, allez, on est reparti pour une deuxième game. Voilà. J'avais dit au début que je ferais qu'une game, mais vu qu'elle s'est passée assez bien, je pense que vous êtes un peu pris dans la vidéo. Donc, on est reparti pour la suite, tout simplement. Et étant donné que ça me fait plaisir de faire cette vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé à la caméra. J'ai envie de continuer un petit peu. J'essaie de faire un petit rythme pour cette arène. Je sais pas si elle va être upload aujourd'hui, je la fais le lundi 18 janvier. Donc je me retrouve contre un paladin dénommé Uther. Alors, tour 2, tour 3, parfait. Est-ce que j'aurais pas mon tour 1? Est-ce que je pourrais pas avoir mon maître de rouage? Char araignée, franchement, je dis pas non. Je dis pas non. Salutations, mon cher ami. Ok. Edes Movies. Non. C'est BDS Movies. Ok. D'accord. Donc lui, il met un truc
un peu de type relou. Donc là, elle meurt pas. Hein. Clairement, il peut pas la tuer pour l'instant. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Pièce maître. Non, c'est bon, il a rien. Ok. Donc, il face. Il est serein, le type. Moi, je suis partant pour faire ça. C'est sûr, c'est pas dans la cure. Alors que le char araignée, il est plus curvé. Hop. Voilà. Là, il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire Bon. Il peut faire régiment de bataille. Clairement, ça me met mal, le régiment de bataille. Ah, pièce, championne. Il a la championne, je crois. Ah non, bénédiction des rois. Ça cible sa truc. Il a béné. Il va béné face. Béné trade. Ah, ok. Bon, pas trop de value, hein, franchement, pour donner un point de vie. Waouh. Trop bien. Ok, bon, bah moi je mets ma provoque. Allez, hop, toi, tais-toi. Hop. Et ben non, hop, je face. J'aurais pu mettre les Nyotrons. Bon, chacun ses goûts. Ok, il heal 2-3, moi 2-2. Pas très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais. J'aimerais bien avoir le bizarre après. Je peux pas préparer vu que je sais pas si je vais l'avoir ou pas. J'ai pas de T5, donc je peux faire pourquoi pas l'araignée des tombes. Qu'est-ce qui est intéressant là? Je vais mettre l'ignotron trade et mettre le golem. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un peu tendu. J'arrive pas à prendre le contrôle du board. Enfin, lui non plus arrive pas à le prendre. On se chamaille un petit peu le board. Donc c'est assez tendu. Donc là, il joue le Hero Power. Donc Blizzard, ça serait bienvenu. Géant de lave, pardon. C'est pas ce que je veux. Mon ami. Est-ce que c'est intéressant? Allez, on va essayer de découvrir une bête. Qu'est-ce que je peux avoir? Une chouette. Une chouette, franchement, ça me tente de prendre une chouette. Je vais prendre la chouette. Et je. Non, je vais pinguer. Je vais pinguer, clairement, parce que mon truc a plus qu'un point de vie. C'est tendu là. Le trade ici, hop, et là je face. Là je savais pas trop si c'était bon play. On va voir plus tard. On va voir plus tard. J'ai laissé sa demoiselle du lac. Ok. Il la booste avec la claire. Ok. Il se met plutôt bien, j'ai l'impression. Par contre, il claque le bouclier divin. C'est un peu bête. Je peux la silence. Mais est-ce qu'il aurait pas pire? Bon, il va pas me sortir un Tyrion, je pense, mais bon. Est-ce qu'il aurait pas pire comme play? Chaque fois que vous. Ok, ça, je m'en fous. Clairement, j'ai envie de la silence. Trade. Ping. Trade. Et je mets l'araignée. Voilà. Là, il se met vraiment, vraiment bien sur trade consécration. Parce que mon board est très faible. Ok. Putain, il a un deck, le mec. Ok. C'est chiant. Il n'a pas consécration, il l'aurait fait, je pense. Champion, Hurlevent. Donc, champion, Hurlevent. Qu'est-ce que ça me met bien? Franchement. Pas si bien que ça. Ah, si. Je vois le play. Mesdames et messieurs. Voilà. Toi, tu te tais. Toi aussi. Et voilà. Le board n'est pas si complet, si bon, que ce qu'on peut croire. Mais en tout cas, je lui ai mis quand même 5 points de vie, à contrario que lui n'en a pas mis. Ok, il réduit les dégâts de mon champion Hurlevent. Oh putain. La goule, franchement, ça fait mal. Je vais devoir la trade absolument. Donc là, ça c'est cool pour pouvoir la trade. Hop là. Clairement, je trade là. Attendez, je suis bête. Un ping suffit, bien sûr. Alors, hop, hop, hop. Je vais mettre ça, vu que je m'en sers pas. Voilà, hop.
Mon board est conséquent. Ah, consécration? Non, ok, bon, ça bat les couilles. J'ai pas de BGH par contre, ça c'est chiant. Ok, donc. Et là par contre, il risque de me faire très très mal. 4, 5, 6. Ok. Si je fais ça. Ça plus ping. Hop. Plutôt bon. Je mets mon Yeti. Pas besoin de prophète, je vais pas l'utiliser pour rien. Donc je laisse un board plutôt faible. Il a 23 points de vie, il a plus que 3 cartes, il peut rien mettre de spécial. Pourquoi il diminue pas? Coûte un cristal de moins pour chaque point. Ah oui, merde. Faut que je prenne des dégâts en fait. Donc clairement le géant de lave c'est une carte morte. Ragnaros, très bien. Le mec se met plutôt bien avec son Ragna lui. D'accord. Très très bien. On est d'accord pour dire que c'est relou. Eh ben je vais écouter, je face, hein, je ne vais pas faire autre chose. 19 points de vie, j'en ai 30. Là, c'est compliqué parce que le mec il a Ragnaros en arène, quoi. Ok, donc un provocateur. Et puis ça. Bon, pas très gênant. Face, face. Parfait. On va peut-être pouvoir jouer le géant. Clairement, ça c'est intéressant. L'araignée, Kodo. Est-ce que. Ah merde, bah il est pas. On peut pas l'utiliser le Kodo là par contre, c'est con. Mais je vais quand même le prendre. J'aurais bien voulu avoir la bête. Ok. Tout, tout, tout. Là, clairement, c'est chiant. Non, je peux rien faire. Faudrait que Ragna il face encore pour que je puisse avoir un géant de lave très peu cher. Ouf, non, ça coûte cher ça. Écumeur là, très très forte. C'est une carte très très forte l'écumeur. Je pense que j'ai perdu sur cette arène. C'est con parce que j'espère quand même aller assez loin avec cette arène. Bon, le deck est assez bon, ça va. Donc là, mon géant de lave, clairement, il coûte 4. Ouais, attendez. Attends. Alors. 3. Je peux tuer celle-là, au moins. Ok. Suis presque mort. Que c'était gelé hein, donc j'ai 3 points de heal et après je peux mettre de la pression, il a plus de cartes. Là c'est vraiment c'est soit je fais le comeback mais je pense pas réussir. Moi ça sert à rien de te heal là. Par contre bah les couilles. Là je suis plus en mode survie que en mode heal. Donc Ragnaros va me mettre 8 dans la tête. Bon le géant là il va coûter 0 bien sûr forcément. Donc c'est un play gratuit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Clairement, rien du tout. Rien du tout. Alors. Le Kodo, il tue là, hein, ça sert à rien. Ok. Donc là, si le Ragnaros face pas. Il a une chance sur 5 que ça fonctionne. Franchement, il faut vraiment que le mec il soit bon. Donc là, il a rien. Il trade. Ok. Je suis mort. C'est dommage. Il avait vraiment un bon jeu. Donc tant pis pour moi. Tue pas le géant et fais pas face. Ok, donc je survis encore un tour. Mais c'est vraiment histoire 2 quoi. Putain, ça par contre. Hop. Là, c'est ce qui peut me faire comeback. Vraiment. Il faut que ça aille face.
Putain, il a un nid de tronc, c'est pas possible ça. Je vais pouvoir tuer ce Ragnaros. Tendu, très tendu. Bon, il est vraiment bien dans la game, le mec. Ah putain! Oh, j'en ai un autre. Bon. Voilà! Faut pas qu'il réussisse. Faut que je chope une torche. Une torche. Absolument la torche. Qu'est-ce que je peux avoir? Non, mais c'est pas possible, le mec. Mais. Régiment de bataille! Mais comment tu peux gagner contre ça, quoi? Non, là. Clairement, bon, je pète un peu un câble, désolé. Mais clairement, là, je suis un petit peu déçu. J'ai pas de choc de flamme. Blizzard, ça ne me met pas bien. J'ai perdu. J'ai perdu. Mille fois perdu. Voilà, bon. Là, il a l'étal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il a 8 points de dégâts. Bon, bah voilà. Une de gagnée, une de perdue. Bon, je suis désolé, hein. J'ai pas réussi. Tout simplement. Tant pis pour moi. Donc voilà, les amis, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de l'arène. J'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Parce que franchement, j'ai pas envie de vous proposer encore une 2 victoires, 3 défaites. Donc j'espère que cette fois-ci, on va faire au moins 5 victoires. Encouragez-moi dans les commentaires. Allez, je vous aime, mes bros. Ciao!